Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de la AMD Linux, la version 1.4.2, cette distribution pour grands débutants en informatique. Donc j'ai utilisé une machine de QEMU. Tant que ça démarre, je peux vous dire que la AMD est basée sur la Debian GNU Linux Wizi 1.4, donc c'est la dernière version stable en date. Démarrage quand même assez rapide, voilà, c'est l'écran, c'est précisé, powered par Debian. Donc, me connecte, c'est en gros on prend une base XFCE avec un menu spécifique. Donc j'espère, voilà, c'est bon, l'affichage se fait. Voilà, on a les belles mains, on dit, manipulable, facile d'accès. En bas, on a l'heure, l'aide en ligne, on est tout le temps aidé. Ça, je sais pas ce que c'est, le son, le réseau, le wifi et le bouton d'extinction. Je montrerai après. Donc, apparemment, on peut, les volumes sont directement montés sur le bureau. Et voilà la spécificité de la AMD Linux. C'est un menu qui s'appelle le AMD menu, très compliqué, qui se regroupe en plusieurs catégories. Internet, avec la navigation d'Internet, les mails, Skype, Facebook, YouTube, et chaque section à l'aide. Je vais montrer au fur et à mesure. Fichier, c'est Thunar qui se trouve derrière, c'est le gestionnaire de fichiers de XFCE. Multimédia, pour la vidéo, l'audio, le grammage de CD, le réglage du volume, lecteur de musique. Bref, tout ce qui est multimédia de base, la bureautique avec le scanner, la calculatrice, prise de notes, suite bureautique, je montrerai au fur et à mesure. Les jeux, parce qu'il faut bien un peu jouer, pas la peine de préciser quel genre de jeu c'est. Et aventurier, non ce n'est pas les jeux d'aventure, non ce n'est pas Monkey Island, mais comme c'est précisé, la gestion du réseau, du terminal, la configuration, en clair, c'est la partie la plus technique de l'ensemble. Alors on accède au terminal. Pour les personnes, pour les débutants un peu avancés, le réseau, l'imprimante, la Logitech Debian, en gros c'est Logitech Ubuntu mais en version Debian, les applications installées pour accéder directement à toutes les applications, la configuration détaillée, c'est le bureau de paramètres de XFCE. Voilà, avec toutes les caractères qu'on peut, toutes les caractéristiques du panneau d'ensemble de XFCE. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques habituelles, l'affichage, l'économiseur d'écran qu'on peut configurer, voilà, ouais, c'est vraiment tout le truc. Bon, je vais vous montrer aussi, bon, je vais revenir, on va fermer ça, on va revenir aux préférences, parce que on peut actualiser, enfin, modifier l'apparence du AMD menu. On peut le mettre en bas, on peut le remettre au milieu, on peut le redimensionner, bien sûr. Chaque fois quand on actualise, ça change l'apparence. Par exemple, la bannière, on peut changer la bannière, on va mettre la bannière rouge par exemple. On va l'actualiser. Ouais, c'est un peu criard, donc je vais remettre la bannière bleue. Zut. Je vais remettre la bannière bleue. Voilà. On peut aussi personnaliser les icônes. Pour les personnes qui aiment faire ça, personnellement, ça me sort par tous les pores de la peau. Icônes Find, ça je vous les montre quand même. Voilà, je vais remettre les icônes d'origine, c'est largement mieux. Enfin, tous les goûts sont de nature, me direz-vous. Donc, AMD Linux, voilà. Je suppose que c'est un programme en Python. Bon. Le navigateur internet, c'est notre ami Chromium. Voilà, avec qui ouvre directement sur la page d'accueil. A noter la présence du bloqueur de pub. Avec AMD Linux, le forum, le blog, c'est notre bon vieux ami Chromium 33, je crois, parce que ça avance tellement vite. Oui, c'est à 33. Donc c'est précisé que c'est compilé sur Debian 7.4. Bon, là, Facebook, je n'ai pas de compte Facebook, donc je ne vais pas le montrer. Minitube, ça permet d'accéder à YouTube. On va chercher un mot-clé, moi je ne sais pas, mettre AMD Linux, justement. Et automatiquement, tiens, ça m'a fait quelque chose ça. Ah, oh, je vais la lancer pour le plaisir. Si ça veut bien se lancer. Ah d'accord. Apparemment, il y a un petit problème avec Minitube. Hop ça. C'est pas ce que je voulais faire. Donc je vais essayer de lancer AMD Linux. On peut l'enregistrer aussi, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pas encore, c'est mini.
YouTube. C'est un logiciel que je connais pas beaucoup, donc je découvre comme vous. Voilà. Donc ça permet de voir les vidéos YouTube. Il y a Internet, je vais vous montrer comment fonctionner en ligne. C'est apparemment, ça va directement sur le wiki d'Andy Linux. Oui, ça va directement sur le wiki d'Andy Linux. Et là, ça explique tout. Voilà, tout est expliqué. Bon, bien sûr, il faut une connexion Internet. Mais c'est quand même bien agréable de voir ça. Ça fait plaisir parce que c'est... Bon, bien sûr, si la connexion Internet ne fonctionne pas, on est un peu dans la mouise. Mais ça fait quand même plaisir de voir que toute la distribution est quand même bien documentée. Et ça, c'est un très bon point pour cette distribution. Dans les fichiers, ben, c'est tout simplement Thunar, voilà, avec les icônes. Ah, je vous montre quand même le manuel de démarrage, le guide de démarrage. Ben, j'adore cette BD, moi celle-là me fait toujours exploser de rire. Voilà, ça explique c'est les bases, comment manipuler les fenêtres, sélectionner du texte, toutes les bases de l'informatique. Et c'est un vieil, par contre. C'est le problème de la Debian stable, c'est une vieille version de Thunar. On n'a pas l'accès aux onglets, c'est un peu dommage. Bon. Dans le multimédia, je vais voir ce que c'est parce que je n'ai pas fouillé. Je vous avoue que c'est notre ami VLC. Donc là, il y a toujours le côté un peu vieille, musique qui frappe. La gravure, je suppose, c'est normal, il n'y a pas de périphérique. Oui, c'est Exceptburn, donc c'est tout le logiciel classique. Le lecteur de musique, je suppose, ça va être Noise. Non, c'est Quadlibet. Ah, bonne surprise, j'aime bien ce logiciel. Les visuels d'images, je pense être Gsymb. Non, c'est Shotwell. Un bon petit logiciel développé par les codeurs d'Elementary. Enfin, aidé dans le développement et aidé par Elementary. On arrive à la section bureautique. Donc, je vous montre la suite bureautique. C'est bien sûr LibreOffice. Rien qu'au logo, on peut se dire que c'est minimum une version 4. Et je pense même une version 4.1. Rien qu'à la présentation. C'est la version. Ah oui, quand même 84, donc c'est quand même une version assez récente. Parce que là, c'est marqué 2013. C'est agréable d'avoir. Bon, le thème d'icône n'est pas extraordinaire, mais ça a tous les goûts sur la nature. Hein. Bon, scanner un document, je suppose que ça va être Simple Scan. Oui. C'est l'outil Simple Scan de Gnomi. Bon, ça, les jeux. Sudoku, il y a entraînement cérébral, c'est le Brainy, Mahjong, jouer aux cartes, tiens, c'est quel jeu de cartes, oh, mon vieux Klondike. Voilà, je vais quand même pas passer, voilà. Donc je vais vous montrer Aventurier, la Logitech Debian, ça je vais par contre vous le montrer, parce que vous allez voir, si vous connaissez la Logitech Ubuntu, vous allez dire, oh, ça ressemble pas mal. Et oui, Launchpad Canonical, donc c'est une vieille version de Logitech Ubuntu. Donc si vous connaissez Logitech Ubuntu, je ne vais pas vous la présenter, c'est pas la peine. Donc là, on va revenir sur Internet. Bah, je vais vous parler justement de lire et écrire un mail, parce que là j'ai vu un truc qui m'a fait un peu tiquer. C'est peut-être le point le plus négatif de l'ensemble, le gros point négatif. Bon, IceDob, c'est la version Debian... compatible Debian de Mozilla Thunderbird. Bon, mais ça, c'est un truc classique. Mais ce qui m'a fait un petit quai, c'est de voir ceci. Bon, c'est une version dite ESR, long terme, 17.0.10. Mais ce qui m'a fait tiquer, c'est pour une raison que je vais vous expliquer très rapidement. Et bien, je pense que si par le net, ce sera plus simple pour vous montrer. C'est que cette version est un brin obsolète. Parce que si on va sur notre ami Google et qu'on cherche Thunderbird ESR. Là, voilà. Je vais sur ce lien-là. Là, je vais descendre tout ça. Voilà. Télécharger. Et ça va être précisé. Je pense que c'est en français. Non, voilà. Bon, je vais vous traduire. Thunderbird ESR a été maintenant fusionné avec le Thunderbird principal. Donc, quand on télécharge le Thunderbird principal ou Thunderbird ESR, c'est la même chose. Il y a d'ailleurs une version, toutes les 7 versions. Et quand on va au téléchargement, on voit que la dernière version, je vais mettre au plus gros. Voilà. Quelle que soit la
la plateforme et la langue, c'est la 24.4, qui correspond en gros à un niveau de correctif de Firefox 28. C'est dommage, c'est peut-être le seul point négatif de la distribution. C'est dommage parce que ça serait quand même mieux de proposer directement la version 24.4, mais on ne va pas s'en plaindre. L'ensemble est très rapide, très faisable d'utilisation. Pour une personne qui débute vraiment, c'est très agréable. Je vais vous remontrer par exemple. Très bien, c'est que ça met directement, par exemple, mes téléchargements, ça va directement dans téléchargement. C'est très automatique, soit tout le monde. Voilà, ça veut dire, c'est un petit outil que je découvre, comme ça, qui doit être pas mal quand même. Ça permet vraiment comme ça de trier l'ensemble, pour éviter de se prendre la tête. Là, je vous montrer aussi un dernier paramètre, parce que là, ça c'est quoi de bête, je vais l'éteindre. Voilà, mais c'est vraiment. C'est vraiment que c'est exceptionnel dessous parce que bon, ce serait simple à trouver. Hein. Voilà. La version 4.8, donc c'est vrai que c'est un peu vieux, mais ça c'est toujours le problème de la Debian stable. C'est qu'ils ont une très bonne stabilité, mais parfois le logiciel sont un peu vieux. La configuration du réseau, c'est par un outil spécifique que je ne reconnais pas. Le point que j'aime moins bien, c'est la présentation qui fait un peu trop penser à Windows 8. Ça, le côté tout aplati, ça me gonfle un peu, désolé d'exprimer comme ça. Donc on va faire une dernière vérification, on va prendre un sens de mise à jour. Normalement, on est précisé dans la documentation de la distribution que les mises à jour sont faites automatiquement, elles sont vérifiées régulièrement. Donc peut-être que là je tombe sur un moment où la vérification n'est pas été faite. Donc je ne sais pas si je vais avoir droit à une mise à jour ou pas. Ça va être la surprise du chef. Donc pour vous dire que Andy Linux, c'est une très très bonne surprise pour moi. J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle qualité de distribution, surtout à une telle qualité d'utilisation, de facilité d'utilisation, même pour les personnes qui sont un peu néophytes et qui ont envie de recycler leur ordinateur, ne pas en acheter un autre, parce que quand même mettre 300 à 400 euros dans une machine, ce n'est pas complètement indolore sur le plan du budget. Donc je suis vraiment emballé par cette distribution pour les personnes qui vraiment sont loin de. Qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas des machines suffisamment puissantes pour installer la dernière Ubuntu, la dernière Linux Mint ou la dernière distribution à la mode. Voilà, donc je vais maintenant éteindre la distribution et puis j'espère que cette présentation vous aura plu et que je vous reverrai bientôt. À plus!